Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'articles. Alors cette fois-ci, on va plutôt faire une revue de chapitres d'un ouvrage qui est sorti il y a presque un an, ou il y a un peu plus d'un an, donc déjà tous mes vœux pour cette année 2023. Et aujourd'hui, on va s'intéresser donc à cet ouvrage qui s'appelle Neuropsychologie clinique et technologie, qui est donc sorti en 2022. C'est un ouvrage qui est entièrement en français et qui reprend donc dans différents chapitres différents apports sur justement les nouvelles technologies, le numérique, donc que ce soit la neuropsychologie 2.0, la réalité virtuelle, ou bien dans d'autres cas, tout ce qui va être lié à différentes pathologies, les personnes âgées, les personnes avec TSA, schizophrénie, etc., la e-santé, la téléneuropsychologie. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est pour préparer le webinaire qui arrive fin du mois sur les applications de type logiciel de rééducation ou logiciel de rééducation, mais plus écologique. Alors, ce chapitre-là, il est important. C'est un chapitre de Steve Magirus de l'Université de Liège, du laboratoire PsyNCOG. Steve Magirus, que j'ai eu la chance de rencontrer et avec qui j'ai eu la chance de discuter plusieurs fois. Voilà, c'est pour ça que je comprends tout à fait son point de vue, son point de vue critique, en tout cas, sur ce type d'outils, puisque dans son chapitre 8, dans cet ouvrage, il va parler des outils de rééducation informatisés pour les fonctions cognitives supérieures, et en fait, il va en faire une présentation, ben, tout simplement, un peu critique. Alors, critique, pas non plus, ce n'est pas dresser un tableau noir, mais en tout cas, il va en faire une petite présentation assez intéressante. En tout cas, donc lui, il va partir forcément de sa spécialité, qui est donc bien tout ce qui est autour de la mémoire de travail et des nouveaux modèles théoriques. Le modèle de Madley par exemple. Donc lui il va partir de ce modèle-là. Et dans la mémoire de travail, il y a un logiciel qui a été très en vue, il fut un temps, et qui aujourd'hui est un peu plus critiqué. On va voir aussi pourquoi il a été critiqué, comment et qu'est-ce que ça apporte comme information pour savoir pourquoi on a du mal à transférer et à généraliser les apprentissages sur ce genre d'application. Alors, logiciel, c'est donc Cogmed commercialisé par Pearson. Donc c'est un logiciel qui date de 2002, donc il y a déjà 20 ans. Voilà, ça date. Donc lui, ce modèle, il est vraiment basé sur le modèle de la mémoire de travail de Badley, qui est donc le modèle de 1986. Et donc ça parle surtout du mémoire de travail contrôle attentionnel exclusivement chez l'enfant et l'adolescent sous forme de petits jeux qui sont un tout petit peu différents. Si j'arrive à vous les mettre, on va essayer de les mettre ici. Donc, ce que va dire Steve Magirus, c'est que, en fait, tout simplement, les premières études de validation, eh ben, vont être totalement optimistes sur l'efficacité de ce logiciel. Sauf que plus on va avoir plus on va avoir d'études qui vont sortir dessus, plus de chances on aura de pouvoir faire une méta-analyse sur ce genre d'outils d'application, et on va se rendre compte qu'en fait, ben, il y a des effets qui existent, mais que dans certaines conditions et que pour d'autres, on a plutôt des effets nuls. Donc, alors, je m'explique, il y a deux différences. C'est que la façon dont le logiciel propose des exercices et travaille sur les fonctions cognitives, donc on va plutôt parler de fonctions cognitives sous-jacentes ou de bas niveau, on est plutôt sur ce genre de choses et on a du mal à avoir plutôt quelque chose sur les plus qui va avoir un impact sur les fonctions cognitives de haut niveau. Alors, je m'explique d'une autre façon. Ce qui va plus poser problème avec ce type d'application, c'est la notion du transfert. Alors, savoir que les exercices Cogmed, ils ont été créés, élaborés pour pallier à des problèmes de mémoire de travail dans certaines activités du quotidien. Et donc, en fait, on a recréé ces activités, ou alors c'est quelque chose qui va y ressembler d'une certaine façon. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va entraîner nos patients avec ces modalités-là, et donc ce qui se passe, c'est que bah, forcément, ils deviennent beaucoup plus performants dans ce type d'exercice, mais les patients ne deviennent pas plus performants dans les tâches annexes ou qui font appel justement à ces besoins de mémoire de travail dans d'autres disciplines scolaires, par exemple. Voilà, si vous entraînez en arithmétique, vous allez avoir du mal à le transférer en géographie, par exemple, ou dans d'autres applications de votre vie quotidienne. Et ça, c'est quelque chose qui existe. Alors, c'est pas forcément propre à Cogmed, bien évidemment, c'est propre à d'autres applications. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est surtout la problématique de nos approches aujourd'hui en neuropsychologie. Alors, faut savoir que, bien évidemment, toutes les tâches de mémoire de travail qui sont entraînées vont
offrir un transfert proche. C'est-à-dire que si ce n'est que seulement dans les mêmes types de conditions, avec le même type de paradigme, que vous allez progresser. Pour les transferts éloignés, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup moins sensible en tout cas, même par rapport aux transferts intermédiaires, par exemple. Donc, ce que va dire Steve Majerus, c'est que les résultats de ces méta-analyses indiquent que si ces outils de rééducation informatisés ont un effet, c'est sur des tâches directement entraînées, donc de transferts proches. Du coup, la question, ça va être un tout petit peu de se dire, OK, mais alors le transfert éloigné, eh ben, le transfert éloigné, il est presque nul, en fait. Il y a très peu de transferts très très peu de transferts éloignés. Alors, après, il y a d'autres méta-analyses qui vont apparaître, notamment celle de 2019, de Gathercole et collaborateurs. Et eux, ils vont vraiment se poser la question, justement, de la manière la plus directe pour faciliter un transfert en rééducation. Et ils vont sortir quelque chose qui fait un peu, on va dire un peu logique, qu'aujourd'hui on commence à comprendre de plus en plus en neuropsychologie, c'est que, ben en fait, ils ont observé que les effets de transfert, ben eux, s'observent surtout quand les tâches de transfert étaient proches des tâches entraînées, soit en termes de type de stimulus ou de modalité, soit en termes de structure de la tâche. Donc ces études suggèrent que ce qu'un sujet apprend lors d'un entraînement à la mémoire de travail de type CogMed, ce sont des stratégies spécifiques à mettre en place dans des tâches spécifiques. Et ces stratégies ne se généralisent que si la tâche de transfert permet l'utilisation de la stratégie en question. En dehors de ça, il n'est pas possible de faire de la, sauf si bien évidemment on fait beaucoup de métacognition, mais de manière naturelle, c'est presque très impossible d'avoir un transfert distant ou dans d'autres tâches qui pourrait nécessiter un autre emploi de stratégie, mais une structuration similaire. Donc, on voit dans ce tableau assez facilement que bah, il y a beaucoup d'avantages quand même à utiliser ce genre d'application. Le côté ludique, la technologie qui est moderne, c'est attractif, ça s'adapte au niveau de difficulté de nos patients. On a des feedbacks pour les niveaux de performance, donc ça c'est super chouette. Par contre, il manque énormément de choses, à savoir un niveau d'élaboration théorique insuffisant. Les ciblages cognitifs sont trop globales par rapport aux exercices. L'amélioration des performances aux exercices entraînés, mais c'est une faible généralisation des effets de rééducation. L'apprentissage de stratégies et d'habiletés spécifiques au contexte des exercices plutôt qu'amélioration de processus spécifiques des fonctions cognitives supérieures. Et enfin, la structure des exercices ne peut être modifiée par le clinicien. Donc on a des choses qui sont fermées, qui ne correspondent pas à des concepts ou à des théories suffisantes, ou en tout cas les plus récentes ou les plus modernes. On n'a pas la possibilité de pouvoir modifier les choses pour coller un peu plus à la réalité, ou bien pour pouvoir coller un peu plus aux besoins du patient. Donc c'est pour ça, en tout cas, que Steve Majerus a ce regard un peu critique sur ce genre d'application, comme on peut voir ici. Et dans un sens, moi je le comprends. Tout à fait, parce que si je prends d'autres exemples, par exemple, enfin, un safari photo dans la jungle, dans le transfert de la vie quotidienne pour nous occidentaux, non, c'est pas possible. Ce sont des choses, ben, voilà. Ça fait partie des choses qui sont très importantes à comprendre, c'est que les exercices de rééducation sous la forme d'applications de rééducation cognitive, donc sans parler d'écologique, parce que là, on n'est pas du tout sur de l'écologique, eh ben, en fait, ça va extrêmement limiter la notion de transfert. Ça va s'appliquer dans certaines tâches très restreintes, restreintes parce que très proches de la condition dans laquelle on s'est entraîné. Voilà, faire un memory, et ben on va progresser sur des tâches qui sont vraiment extrêmement similaires. Par contre, des tâches qui vont nécessiter la même fonction cognitive, mais même tâche ou dans la même type d'application. Ça va être compliqué, on ne va pas pouvoir mesurer vraiment cette efficacité. Alors dans la dernière partie de son chapitre, il va parler de la nécessité d'une rééducation centrée sur les processus et les sous-processus des fonctions cognitives supérieures. Alors, bien évidemment, il faut en fait pallier ces problématiques par quelque chose de beaucoup plus, qui traite un peu plus des fonctions cognitives supérieures. Donc, qui vont nécessiter l'emploi de différentes fonctions cognitives inférieures pour venir gérer quelque chose d'un peu plus grand. Alors, bien évidemment, tout ça va
et ça va fonctionner si on met bien en place une rééducation qui cible spécifiquement les processus dont les patients souffrent et dont on a vraiment besoin. Alors, il ne va pas parler du tout d'écologique ou de réalité virtuelle ou autre, il se concentre vraiment sur ces applications qui, et je le rejoins tout à fait, ne sont pas assez généralisables au quotidien des gens, ne sont pas du tout portés vers les activités du quotidien. Et donc, en fait, au niveau du transfert, ben, ça annule tous les bénéfices qu'on peut avoir au niveau de la motivation, des feedbacks qu'on apporte et le côté ludique pour les patients. Et ça, je trouve ça vraiment extrêmement dommage. Mais en tout cas, c'est bien expliqué dans ce chapitre. Donc voilà, c'est un chapitre qui est très court, hein. Je crois qu'il ne doit même pas faire 5 pages, mais qui est vraiment rempli d'informations si à un moment donné vous devez vous poser la question du type d'outil que vous voulez utiliser dans votre pratique. Enfin, en conclusion, l'auteur précise donc que pour être vraiment efficace, les outils doivent être conçus à la lumière des modèles théoriques actuels, ça oui forcément, des fonctions cognitives supérieures en tenant compte de la multiplicité des processus et des sous-processus qui sont impliqués, et en tenant compte de la nature, de la spécificité, de l'hétérogénéité des déficits présentés par le patient. Ce n'est que dans ces conditions que les outils de rééducation, qu'ils soient d'ailleurs informatisés ou non, peuvent avoir une quelconque efficacité et produire des effets généralisables sur les activités de la vie quotidienne. On met le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, à savoir l'hétérogénéité des déficits, de 1, et la multiplicité des processus. Un patient, c'est un patient, ce n'est pas le même que les 5 patients ou les 10 patients précédents. Vous avez vu ça, vous le savez très bien. Il a son histoire de vie, il a son parcours, il a ses besoins, il a ses objectifs. Il faut pouvoir personnaliser chaque prise en charge, il faut pouvoir cibler spécifiquement le besoin, les objectifs de votre patient et lui proposer une rééducation ciblée et adaptée. Si on utilise des applications qui sont généralisables dans le sens où, ben, si on a un trouble de la mémoire de travail, ben, en fait, on peut très bien le mettre dedans en soi. C'est pas trop trop grave parce qu'on va travailler sur les processus sous-jacents, mais dans la notion de transfert, ça ne va pas fonctionner. Donc il va falloir avoir quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup plus ciblé, mais surtout aller vers quelque chose que vous allez pouvoir modifier, moduler, pour pouvoir correspondre aux besoins de votre patient et surtout à son besoin écologique proche des activités quotidiennes de votre patient. Si votre patient fait du bricolage, si dans sa vie de tous les jours, il fait beaucoup la cuisine ou quoi que ce soit, vous devez aller vers ce genre de choses. Devez proposer des exercices ciblés et spécifiques. Pour ça, l'écologique, bien évidemment, il n'y a rien de mieux, mais ce sera dans un prochain chapitre de cet ouvrage. Voilà, merci à vous, je vous souhaite une bonne journée et encore tous mes vœux pour cette nouvelle année 2023. Et je vous donne rendez-vous fin pour le webinaire qui va porter donc sur les applications numériques en réhabilitation et en rééducation cognitive.